Empêcher l'immigration illégale, tous étaient d'accord sur cela à Vienne. 10 pays européens se sont retrouvés pour un sommet éclair en Autriche, des États de l'Est de l'Europe essentiellement géographiquement placés sur la route des migrants. Angela Merkel, dont la politique généreuse envers les migrants lui coûte cher électoralement, a un peu durci son discours. Nous sommes tous unis sur le fait que l'accord pour les réfugiés entre la Turquie et l'Union et sa mise en œuvre sont essentiels. Pour cela, il faut que nous discutions avec la Turquie des conditions finales qui n'ont pas encore été réalisées. Et d'un autre côté, il est également nécessaire que la Grèce, tout particulièrement, impose la mise en œuvre du mécanisme one-to-one, par exemple, renvoyer les migrants arrivés illégalement. Also der Zurücksendung illegal ankommender Migranten auch durchsetzt. Parmi les participants, certains points de vue sont diamétralement opposés, comme ceux du grec Tsipras et du hongrois Orban. Ce dernier constate une réduction du nombre des arrivées via la Méditerranée depuis la fermeture de la route des Balkans en mars. Nous devons avoir une coopération entre nos pays afin de garder la route des Balkans fermée si l'accord avec la Turquie tient, explique Viktor Orban, et même si cet accord, pour une raison ou une autre, tombait à l'eau. Viktor Orban a une solution radicale pour fermer les portes de l'Europe aux réfugiés, les installer en Libye. Si nous ne pouvons pas assurer l'unité de la Libye, si nous ne pouvons pas la stabiliser, alors on ne pourra pas créer la gigantesque ville de réfugiés sur la côte méditerranéenne de la Libye où nous devons renvoyer les migrants arrivés en Europe illégalement. La question des réfugiés exacerbe les tensions dans les opinions publiques européennes. Elle nourrit la poussée des partis populistes, de quoi attrister le président de Caritas en Autriche. Nous n'avons pas une crise des réfugiés en Europe, nous dit-il. Nous avons une crise de la solidarité. Et si nous arrivons à renforcer la solidarité, nous serons prêts à agir d'une façon unie et humaine. Les barrières dressées en Europe ralentissent les arrivées. 300 000 migrants ont traversé la Méditerranée en 2016, bien moins qu'en 2015.